On va s'attarder à présent sur les propriétés algébriques de la fonction exponentielle qui, vous allez voir, sont très proches de celles que vous connaissez déjà sur les fonctions puissance. Regardez un petit peu, vous connaissez déjà la fonction exponentielle, on en a vu la définition, les croissances comparées avec les fonctions puissance. Pour tout réel x et y, vous savez que la fonction exponentielle est définie sur R, alors rappelez-vous déjà, il n'y a pas de problème d'existence et en plus une exponentielle est toujours strictement positive, donc on peut les mettre au dénominateur. Ce type de notation ne posera pas de problème. Regardez, c'est la même chose que vous connaissiez avec les puissances. L'exponentielle d'une somme sera le produit des exponentielles. Donc exponentielle de x plus y vaut exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. L'exponentielle d'une différence sera le quotient des exponentielles, comme avec les puissances. Là encore, comme avec les puissances, exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Notation à connaître absolument par cœur. Et quelque chose de bien agréable, l'exponentielle de x à la puissance n, n étant un entier relatif, sera égale à l'exponentielle nx. Vous voyez que la parenthèse a disparu et qu'on multiplie le n par le x. Retenez bien ces propriétés, mais en même temps, j'allais surtout vous dire, rappelez-vous bien de ces propriétés. Vous les connaissez déjà, c'est ce qu'on vous avait présenté en classe de 4e sur les fonctions puissance. Petite chose nouvelle en revanche, c'est le lien de la fonction exponentielle avec le logarithme népérien. Alors si vous n'avez pas encore fait le cours sur le logarithme népérien, vous n'allez pas bien saisir ce que je vais faire. Essayez toutefois de vous en imprégner parce que vous allez en avoir besoin. Bon, il viendra un moment où vous aurez vu les deux notions, le logarithme népérien et l'exponentielle. Et dans ce cas, il faut bien retenir ceci. Pour tout réel x, le log de l'exponentielle d'un nombre et le nombre lui-même, ce sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, pour ceux qui comprennent ce que je dis, si vous avez suivi la les deux définitions de ces deux fonctions. Alors ici, exponentielle de x existe pour tout réel, c'est pour cette raison qu'on a pris ici pour tout réel x. Regardez à présent si on prend un nombre strictement positif. Cette fois-ci, l'exponentielle du log, c'est pas la même chose, hein, elles ne sont pas écrites dans le même sens, l'exponentielle du log de x vaut x aussi. Mais là, il faut que x soit un nombre strictement positif pour que le log existe. Et dans ce cas, on peut prendre l'exponentielle de ce log-là. On va faire à présent des exercices d'application et faire des réductions d'expressions qui utilisent des fonctions exponentielles.